Our last day of the event, getting ready for a small pitch. And I'll keep you guys posted with some more videos. Thanks for checking us out, and I'll holla later. Today concludes this particular event, and we'll try to interview some more innovators today to give you guys a feel of what innovation going on. Talk to you soon. Là, c'est le concentrateur solaire. Là, c'est le concentrateur solaire. Okay. Qui est en fait la partie où on aura du plexiglas et du tôle ondulé noir. Okay. À l'intérieur. Donc, il y a tous les rayons lumineux. Okay. Qui vont se capter là. Et quand vous voyez ici, vous voyez là, on a une ouverture. C'est au niveau de cette ouverture que les ventilos vont aspirer l'air chaud pour envoyer sur chaque étage. Et, non, c'est vraiment bien. Et après ça, vous verrez au fait ici, vous voyez, donc ça veut dire... C'est quoi l'utilisation? C'est pour sécher le dry food. Le riz. You know, when you pick up the food, you dry it out. Mais c'est plus rapide? C'est vraiment plus rapide, en 4 heures. Ça 4 peut, heures? Ouais, en 4 heures. Non, c'est amazing. En 4 heures, ça peut sécher au fait le riz. From 3 days to 4 oui, hours. Oui, c'est bien. Là, l'avantage, c'est qu'on a une concentration au fait de l'air chaud qui vient immédiatement sur les étages au fait. Et de deux côtés, on met du plexiglas pour bénéficier encore des rayons lumineux. Et l'arrière, on met au fait la couverture des chambres froides. Tu as du plastique là qu'on est couvert sur les chambres froides pour garder au fait la chaleur. C'est toi qui as fait ça? Ouais. Bon, avec l'équipe. Ah oui, ça, oui. Ça, c'est le petit échelle comme ça. Ça, c'est le prototype qu'on a fait, qui a testé. Et là, c'est le grand échelle qu'on a fait comme ça. Donc là, c'est le prototype. C'est très intéressant. Hein. Ouais, très, très pour l'agriculture. Oui, vraiment... même chez nous. Ouais, on le voit bien, même chez nous. Donc là, c'est le petit échelle qu'on a fait. Et après, c'est le grand. Et il coûte combien maintenant? Tu vas le vendre à combien pour l'instant? Ou vous juste vous testez? Pour le moment, on a pas encore fini. Donc on est juste en train Mais vous n'avez pas un prix, vous n'avez pas déjà parlé du prix? On veut vraiment tout finir, tout finir et voir tous les dépenses et tout. C'est un prototype. Avant, voilà. En fait, non, le prototype c'était ça. Okay. Après, on a fait ça, mais même sur le grain, on a eu pas mal de modifications par la suite. En fait. Okay. Tu vois des petites modifications qu'on a rencontrées et tout. Même pour faire les plexiglas, on s'est rendu compte que la méthodologie qu'on avait utilisée avant, elle n'accumulait pas assez. Donc on était obligé de mettre des petits espaces pour faire glisser le plexiglas. Voilà. Donc tout ça, c'est des coûts qui se sont rajoutés au fur et à mesure. Donc après, c'est normalement, actuellement, ils sont en train d'installer. Quand ils vont installer, on a 2 semaines pour tout tester. Et après les 2 semaines, on pourra dire, voici vraiment le coût vraiment. Il faut venir au Rwanda, mon frère. Hein? Oui, mais moi j'étais au Rwanda. Quand ça? À J. J'étais là pour Africa, pour Youth Connect. Ah, mais moi j'étais là aussi. Ah, c'est dommage. C'est quand? Et d'ailleurs, on avait un booth. It was, c'était quand encore? Juin, juillet, c'était quand? Juillet. Juillet. Ouais. J'étais pour Youth Africa. Ouais, j'étais pour. Ouais. You know, we have the biggest convention center. Yeah. That event was massive. Massive. Many friends went there. The billionaire of China, what's his name? Yeah, was there. I got Jack it. Ma. Et je connais le Kelab. Ah, t'as été? Je connais même celui qui a développé le Kelab. Ouais. On se connaît très bien. Ouais, il y avait Jack Ma là. Ouais, il y avait Jack Ma. Le fameux Jack Ma. Il est impressionné. Mais je pense qu'il a impressionné tout le monde. Ah oui? Oui. Sa simplicité, son. En fait, sa manière de décrire l'entrepreneuriat, c'est le mec, il dit qu'il y a 18 ans passé, personne ne voulait être comme Jack Ma, mais c'est une réalité. C'est juste pour dire que l'entrepreneuriat, c'est vraiment en fait un processus sur lequel il faut y mettre du cœur et il faut croire à ce que tu fais. Tu peux être la première personne convaincue de ce que tu fais. Après, c'est fini. Ça ne peut que passer. Mais le mec, tu vois, il n'y a personne qui a cru à ce qu'il faisait, mais lui, il a cru à ce qu'il faisait. Okay. Tu vois, c'est vraiment tout ce qu'il a dit, quoi.
Il y a 18 ans passé, personne ne voulait être comme Jack Ma. C'est intéressant. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être comme Jack Ma, mais personne ne veut suivre le processus de Jack Ma, tu vois. Yeah. Tout le monde veut avoir l'argent de Jack Ma, mais ça tombe du ciel. C'est pas possible. Tu es de où? Burkina Faso. Burkina Faso. We're on our way to visit Opus Fund. For those who don't know, they invest in a social impact enterprise, also based in East Africa. And check them out. I'll put the link on this video below. But continue watching the video. I'm sure we'll get some more info as we get along.